remplacement d'El Gato, c'est El Oso. Wouhou! Écoute, je me suis fait battre dernièrement à Montréal, le centre-ville, parce que j'avais l'air d'un ours. Écoute, les Browns, je les aime pas, c'est pas ça que je porte un chandail du Canadien. Oui. Je me suis fait battre souvent, j'ai mal partout, pis en tout cas, je suis un ours qui aime le Canadien. À ce soir, prédiction. Vancouver, Montréal, selon El Oso. Wouhou! Pas encore. Ok! Selon El Oso, un soir, parce que El Gato, c'est un enfoiré, selon moi. Il me traite tant de Browns. Mais c'est une défaite, selon moi, Montréal. Vancouver va gagner 4-2. 4-2. Ehlers, du coup, Ehlers. Ok. Ehlers va pâter un but. Puis Subban, on va rien comprendre, mais il va en pâter deux pareils. Dans l'Ouest, ça va mal, on dirait. J'ai comme des poux, là. Mais en tout cas, Vancouver. Ça va être Bonino, il va en mettre deux, Bonino! Ouais. Enrique Iglesias! C'est Enrique Sedin! Ouais, ok. Enrique Sedin va mettre un! Ouais. Verbato aussi, Asti, une crotte dans l'œil! En tout cas, assois, quand t'as deux, El Gato, il est malade en ce moment. Et il m'a demandé de le remplacer. Il a des problèmes de Viagra. Ouais. C'est triste, qu'est-ce que je vais dire, là. Mais El Gato a des problèmes d'érection. Ouais. Il est plus capable de bander, mais c'est pas grave! De toute façon, on va parler vraiment là, pour le hockey à soir. Oh, oui. Oui, le Canadien va la perdre dans l'Ouest parce qu'ils sont trop fatigués. Puis leur seule arme, c'est Carey Price. Je vous aime, chers auditeurs. J'espère vous voir parce que là, je viens de dire un gros secret. El Gato. Il a besoin de Viagra. C'était El Oso pour la prédiction du salon. Viens nous rejoindre sur Facebook, s'il vous plaît. Bye bye!